Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Cette fois, elle se fera en une seule vidéo, puisque pour tous mes petits élèves qui me suivent, on l'a déjà lu ensemble en visioconférence. Mais le voici. Le livre s'appelle Le bel oiseau. Alors on y va. Voilà petit Louis, voilà petit Louis. Il vient au village avec, comme toujours, de belles histoires à raconter pour nous faire tourner la tête. Voilà petit Louis. Aujourd'hui, dans son sac, il a une marionnette, toute petite, toute belle. Vous allez voir un bel oiseau, dit petit Louis. Il est si petit, il est si joli qu'il vous fera faire de tout petits rêves bleus. Écoutez bien, il siffle, dit petit Louis. Regardez bien, il marche, il déplie ses ailes, il vole. Oui, il vole, oui. Mais le bel oiseau ne vole pas. Une marionnette, ça ne peut pas voler. Une marionnette, ça n'a pas de vie. Mon bel oiseau volera, dit petit Louis. Je vais le faire plus gros, je vais le faire plus beau. Et lorsque je reviendrai, mon bel oiseau s'envolera comme un véritable oiseau. Pour faire voler sa marionnette, petit Louis a travaillé longtemps, oh longtemps. Et lorsqu'il revient au village, tout le monde l'appelle Monsieur Louis, car il est devenu un monsieur. Pour faire voler sa marionnette, Monsieur Louis a travaillé longtemps. Et lorsqu'il revient au village, tout a bien changé. Mon oiseau aussi a changé, dit Monsieur Louis. Je lui ai mis de grandes ailes et je l'ai fait tout léger, avec des plumes toutes belles, et je lui ai appris à voler. Et c'est aujourd'hui le grand jour où vous allez voir mon bel oiseau s'envoler dans les airs pour aller chercher, derrière les gris nuages, de belles histoires toutes bleues. Mais le bel oiseau ne vole pas. Une marionnette, ça ne peut pas voler. Une marionnette, ça n'a pas de vie. Mon bel oiseau volera, dit Monsieur Louis. Je vais le faire plus gros, je vais le faire plus beau. Et lorsque je reviendrai, mon bel oiseau s'envolera comme un véritable oiseau. Pour faire voler sa marionnette, Monsieur Louis a travaillé longtemps, très longtemps. Et lorsqu'il revient au village, tout le monde l'appelle Père Louis, car il est devenu vieux. Pour faire voler sa marionnette, Père Louis a travaillé très longtemps. Et lorsqu'il revient au village, tout a bien changé. Mon oiseau aussi a changé, dit Père Louis. Je lui ai mis de grandes ailes, oh grandes, et je l'ai fait tout léger, léger, avec des plumes toutes belles, oh belles, et je lui ai appris à voler. Et c'est aujourd'hui le grand jour où vous allez voir mon bel oiseau s'envoler dans les airs pour aller chercher derrière les gris nuages de belles histoires toutes, de belles histoires toutes bleues. Mais Père Louis s'est allongé. Est-ce qu'il dort pour longtemps, pour toujours? Et le bel oiseau? Il ne vole pas, il n'a pas de vie, c'est une marionnette, mais oh, on l'entend qui chante.
Il déplie ses ailes, il veut s'envoler. Le bel oiseau s'est envolé. Le bel oiseau s'est envolé. Le bel oiseau s'est envolé. Pour que le bel oiseau vole, Père Louis a travaillé toute sa vie. Pour que le bel oiseau vole, Père Louis lui a donné toute sa vie. Et le bel oiseau vole. Voilà pour cette troisième histoire, donc Le bel oiseau de Jean-Pierre Ridette. Et voilà, donc on en reparlera bientôt, vous aurez un petit travail à faire dessus et on construira aussi un très bel oiseau, même si on est encore à distance. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture.